الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Donc ceci est la conférence mensuelle du mois d'octobre 2013 qui a pour titre les règles liées au sacrifice de Eid al-Adha. Ce sacrifice qui est appelé en arabe al-Oudriya. Et durant cette conférence où je me suis basé sur cette conférence sur un épitre de l'éminent savant Sheikh Mohammed Ibn Salih Al uthaymin رحمه taala, qui a écrit un livre appelé Ahkam al udhiyati wa al Zakah. Les jugements de al c'est-à-dire de la bête sacrifiée pour Eid al Adha et les règles également qui régissent l'égorgement d'une bête. Le chef lui-même a fait un résumé de son livre. Il a fait lui-même un résumé de son livre initial, et c'est sur ce résumé que j'ai basé ma conférence. Donc la quasi-totalité de ce que je dirais euh, sont euh, au mot près les paroles de chef. Euh, Muhammad ibn Salih Al Uthaymin Ta'ala sachant qu'à ma connaissance ce livre n'a jusqu'à aujourd'hui pas été traduit malheureusement car c'est un livre extrêmement bénéfique comme vous pourrez ou comme vous aurez l'occasion de le constater inshallah ta'ala le cheikh rentre vraiment dans dans les détails. Et il est bon de temps en temps de faire des conférences scientifiques, des conférences érémées dans lesquelles on traite un sujet euh, en profondeur, bien sûr euh, à la lumière du livre d'Allah et de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Concernant al-oudhriya, quelle est sa définition et quel est son jugement? al c'est ce sont les bestiaux qui sont sacrifier le jour de eid al-adha le jour de eid al-adha pourquoi est-ce qu'on les sacrifie le jour de eid al-adha parce que c'est le jour de laïd et pour se rapprocher d'allah subhanahu wa ta'ala et sacrifier la bête le jour de laïd fait partie des emblèmes de l'islam qui sont légiférés dans le coran dans la sunnah Et في fait des musulmans. الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر فصل لربك وانحر. الجاء عز وجل من سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والنسك هنا الذبح كما قاله سعيد بن جبير Allah Azza dit dans Surah Al-Kawthar, et prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Et il dit aussi dans Surah Al-An'Am, Subhanahu wa Ta'ala, selon le sens, dit ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour le Seigneur des mondes. Et un nousso qui ici dans ce verset, cela signifie l'égorgement, comme l'a dit Saïd ibn Jubair. Et dans لصحيح الإمام البخاري ومسلم سنو أنس، القفات صلى الله عليه وسلم، أنس راكونت أن النبي صلى الله عليه وسلم انس ان النبي صلي الله عليه وسلم ضحي بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. أنس رابورت كوم سولاي Les deux sahichs, que sont les sahichs de l'imam al-Bukhari, muslim, Anas raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié le jour de l'aïd deux béliers, amlahaïni, c'est-à-dire deux béliers blancs avec des taches noires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a sacrifiés de sa main, il a prononcé le nom d'Allah, il a dit Allahu akbar et il a Poser euh, son pied sur le côté de leur cou, sur le côté du cou de chacun de de ces béliers. Et l'on verra par la suite que la sunna, lorsque l'on égorge euh, un mouton ou un bélier, c'est de poser son pied euh, au niveau de son cou pour que son cou soit maintenu euh, fermement afin que l'égorgement puisse se faire de la façon la plus rapide et la plus simple possible. Mais pourquoi est-ce que c'est appelé al-Udhiya parce que comme on a dit c'est une bête qui est sacrifiée le jour de l'Eid mais la sunna est d'égorger fi waqti au moment où après que le soleil se soit levé car la sunna est d'accomplir la prière de l'Eid une fois le soleil levé

Il a alors complété son sacrifice et il a suivi la voie des musulmans. Tous ces textes, le cheikh les cite pour montrer que Al-Udhayah fait partie des emblèmes de l'islam et il apporte à cela les preuves dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa Ajoutez à cela que le prophète sallallahu alayhi wa a donc sacrifié le jour de l'Eid. Ses compagnons également ont sacrifié. Et le professeur a informé que celui qui sacrifie le jour de l'Aïd a suivi la voie des musulmans. Et les musulmans sont unanimes sur le fait que cette que cette bête sacrifiée le jour de l'Aïd, est légiférée. Concernant le jugement de l'andhriya, les savants ont divergé. Est-ce que cette bête a sacrifié est-ce qu'il est obligatoire de la sacrifier ou est-ce que cela est une sunnah fortement recommandée? La majorité des savants considèrent que l'Udhia est fortement recommandée et c'est l'avis de l'imam Shafi'i, l'imam Malik et l'imam Ahmad Rahimahumullah. Et d'autres savants sont d'avis que cette Udhia est obligatoire. C'est notamment l'avis de l'imam Abu Hanifa et c'est l'une des versions rapportées de l'imam Ahmed, et c'est notamment l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyatah, Rahimahullahu Ta'ala, et chacun des deux avis euh, a ses preuves qui sont fortes. Il faut savoir également que de sacrifier à l'Ordia est meilleur que de donner son équivalent en argent. Car de sacrifier la bête est ce qu'a fait le prophète ⁇ Et c'est ce qu'ont fait avec lui les musulmans. Également, de sacrifier la bête est meilleur, car comme l'on l'a vu, sacrifier à londria fait partie des emblèmes d'Allah. Et si les gens s'étaient tous mis à donner en aumône la valeur de cette bête en argent, eh bien cet emblème... Disparaîtrait au fur et à mesure. Et si de donner en aumône l'équivalent de cette bête était meilleur, nul doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait enseigné à sa communauté, soit par un acte, soit par une parole. Quelles sont les conditions de l'Udhriya il y a six conditions qui doivent être réunies pour que l'audhiyah soit valide et conforme à ce qui est attendu de nous. La première de ces conditions est la La première condition est que cette bête sacrificée doit faire partie de بهيمة الأنعام. كما قال الله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام signifie وسون في بهيمة الأنعام les chameaux. Et chamelles, bien sûr. Les vaches et les bœufs. Et al-ranam. Et lorsque l'on dit al-ranam, cela inclut deux types de bêtes. Al-ranam inclut les caprins et les ovins. Les caprins sont les chèvres. Et les ovins, ce sont les moutons, les brebis, les agneaux et la femelle d'agneau. Agniel et les aniel. Et c'est ce qui est connu chez les arabes, comme l'ont dit euh, les savants. C'est la première condition. La deuxième condition, un racine al-Mahdoud des que cette bête doit atteindre un âge qui est défini en Islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam muslim dans son sahih, La illa musinnah illa an alaykum min Ne sacrifiez Kun et l'on verra ce qu'est El Sauf si cela est difficile pour vous, alors sacrifiez el parmi les ovins. On a dit que les ovins ce sont les moutons, les brebis, les agneaux et les agnelles, Pourquoi est-ce que j'insiste en disant à chaque fois le mâle et la femelle? Car pour l'authiyya tu as le droit de sacrifier un mâle comme une femelle. Beaucoup se posent la question, est-ce qu'il est autorisé de, de sacrifier une femelle? Cela est totalement autorisé. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa nous dit, ne sacrifiez qu'une moussine Qu'est-ce que al moussine al parmi les chameaux, ce sont ceux qui ont atteint l'âge de cinq ans parmi les vaches et les bœufs, ceux qui ont complété deux ans. Et Asani min al-ranem, on a dit que le ranem, c'est les ovins et les, et les caprins. Et parmi al-ranem, il faut qu'ils atteignent un an. Il faut qu'ils atteignent un an. Et le prophète Sora a dit... Sauf si cela est difficile pour vous, alors, dans ce cas, sacrifiez el jazah Et el jazah c'est la bête qui a plus de, de six mois. Donc, Minad Da'n. Et ici, le professeur Hassan a bien précisé al qui sont les ovins. Donc, le minimum pour les ovins, ce sont ces six mois. Le minimum pour les caprins, c'est un an. Le minimum pour la vache et les bœufs, c'est ce deux ans. Et le minimum pour le chameau et la chamelle, c'est cinq ans. La troisième condition. La troisième condition, la première condition, elle doit faire partie de Bahimato al-An'Am. La deuxième condition, cette bête doit atteindre l'âge prescrit et défini en Islam. La troisième condition est que cette bête doit être exemple de défauts qui, lorsqu'ils sont présents, ne font pas de cette bête une odhriya. Le premier de ces défauts, al-awarul-bayin. Le fait que cette bête soit borgne de façon évidente. Et la bête de façon évidente, c'est la bête dont l'œil s'est obscurci, où l'œil ressort ressemblant à un bouton, ou lorsque l'œil devient complètement blanc, qui prouve que cette bête est borgne. Le deuxième défaut dont la bête doit être exempt c'est la maladie manifeste, évidente. Et c'est donc la maladie qui est apparente de cette bête comme le fait qu'elle soit prise de fièvre, qui l'empêche de se rendre au pâturage et qui coupe son appétit. De même une bête qui a la gale, évident, et ceci a une conséquence non négligeable sur sa viande et sur sa santé. De même que les blessures profondes font partie des défauts euh, qui euh, peuvent exclure cette bête de la catégorie des bêtes acceptées pour al-udhiyah. Le troisième défaut dont doit, dont doit être exempt cette bête, c'est le fait qu'elle boite de façon évidente. Et ceci concerne la bête qui boite de telle sorte qu'elle ne peut marcher et qu'elle ne peut suivre les autres bêtes qui sont saines. Le quatrième défaut dont doit être exempte la bête, c'est le fait qu'elle soit maigre et faible. Maigre à tel point que ces os n'ont plus de moelle. Et la preuve de cela, de ces quatre défauts dont doit, dont doit être exempte la bête, est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a été questionné, quelles sont les bêtes ou les dachayas dont l'on doit s'abstenir Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Arba'an quatre al-arja'ul dhal'uha » Le professeur a, a répondu, celle qui boite de façon évidente, celle qui est borgne de façon claire, celle qui est malade, dont la maladie est évidente, et la maigre, la faible, qui n'a plus de moelle dans les os. Et dans le hadith de Al Azib, le prophète sallam a dit "Arba'un la tajouz ou al Quatre types de bêtes il est interdit de les sacrifier pour al Et le prophète sallam de citer ces quatre défauts. Et le Ibn Uthaymin, rahimahoullahu ta'ala, dit que l'on ajoute à ces défauts les défauts qui sont similaires ou plus graves. Les défauts qui sont similaires ou plus graves. Et il cite, rahimahullah ta'ala, six défauts supplémentaires. Le premier de ces défauts est que cette bête soit aveugle, car être aveugle est pire que que d'être borgne. <messant de la bête> Qu'est-ce qu'il sait ce que c'est qu'elle mabchouma Elle m'abshouma, c'est la bête dont le ventre a gonflé. En général, lorsque les bêtes, les ovins ou autres mangent notamment des dattes, eh bien, leur ventre gonfle et euh, l'air ne peut sortir. Et ceci est dangereux pour la bête. Cela peut même la tuer. Et Cheikh, Rahimahullah, dit, hatta c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle aille au sel. Jusqu'à ce que cette bête aille au sel et que le danger s'écarte d'elle. Al-Mutawalli celle qui porte lorsque euh, le fait de mettre bas est difficile pour elle jusqu'à ce que le danger soit en soi écarté. La quatrième est celle qui a été atteinte de ce qui peut la tuer, comme le fait d'être étouffée ou comme le fait de tomber d'un endroit élevé ou autre jusqu'à ce que le danger soit écarté de cette bête. Cinquièmement, celle qui ne peut marcher. Et sixièmement, le cher de dire, celle dont l'une des mains ou l'un des pieds est coupé. Et en arabe, lorsque l'on parle des animaux, on parle des mains et, et des pieds. En français, on dit... Les pattes, les pattes avant, les pattes arrière. En arabe, on est plus précis. On, a, on qualifie, on attribue aux animaux des mains et des pieds. Les mains sont les deux membres euh, avant et les pieds sont les deux membres arrière. Ainsi, lorsque l'on ajoute les quatre défauts cités par le prophète alayhi wa sallam, et les six cités qui sont soit au même niveau, soit pire que ceux qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam Eh bien euh, cela amène à un nombre de dix quatrième condition cette bête doit être le bien de celui qui sacrifie elle doit être sa propriété elle doit lui appartenir ou bien, qui lui a été autorisé de la sacrifier. Ainsi, il est, il est, la, 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 la haute n'est pas valide si la personne sacrifie une bête qui ne lui appartient pas. Soit une bête qu'il a usurpée, c'est-à-dire qu'il a pris sans qu'il n'en ait le droit, ou bien une bête qui l'a volé, tout simplement, ou une bête qui l'a pris, euh, et ceci après, avoir, après en avoir fait une demande qui est illégitime et infondée. Pourquoi Car le cher dit, car il est interdit de se rapprocher d'Allah à travers une désobéissance. al khamis le cinquième, la cinquième condition est que cette bête ne doit pas, ou la possession de cette bête ne doit pas être suspendue à une tierce personne. Et l'exemple que donne le cher, qu'il est interdit de sacrifier une bête pour Udhiya une bête qui t'a été donnée en guise de caution tu as prêté de l'argent par exemple à quelqu'un et en guise de caution il te donne un bélier tu n'as pas le droit de sacrifier ce bélier car euh, ce bélier la, la possession de ce bélier est suspendue à son propriétaire et, tu ne, et ce ne sera ta propriété que lorsque cette personne ne t'aura pas remboursé de façon définitive. Et c'est euh, tout le sens de de la caution. La sixième condition est que cette bête doit être sacrifiée pendant le moment légiféré en islam. Et ce moment... Commence après la prière de l'Eid, le jour de l'Eid, jusqu'au coucher du soleil des derniers jours du dernier jour des jours de Tashriq. Les jours de Tashriq qui sont au nombre de trois, trois jours après l'Eid. Donc il y a le jour de l'Aïd qui est le dixième jour de Doul Hijjah et ayam au Tashriq. Les trois jours de al Tashriq sont le onze, le douzième et le treizième jour de Doul Hijjah. Celui qui égorge avant que la prière ne se termine ou après le coucher du soleil du treizième jour, alors son udhia, sa udhia n'est pas valide. La preuve est le hadith de al no ibn a Azib, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: ولا من نسوك في شيء. dit صلى الله عليه وسلم: celui qui égorge avant la prière, il n'a fait que présenter de la viande à sa famille et ce n'est en aucun cas un sacrifice. c'est-à-dire de l'aït. et selon جندب بن سفيان رحمه الله رضي الله عنه, il dit شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي Et le hadith est rapporté par Al Bukhari dans son dans, par Al Bukhari et Muslim Afouane. Dans le hadith de Jundub al Bajali il dit J'ai assisté. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui égorge avant la prière, qu'il égorge une autre bête à la place. qu'il égorge une autre bête à la place. وعن نبيشه الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل إلى que أيام التشريق sont des jours de sacrifice et le hadith de نبيشه الهذلي رضي الله عنه dans lequel le prophète wa a dit les jours de tashriq sont des jours de nourriture de boisson et dévocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et le cheikh dit mais si le retard est dû à une excuse comme celui dont la bête s'est sauvée sans que cela ne résulte d'une erreur de sa part et il ne retrouve sa bête qu'après le, le coucher du soleil du treizième jour dans ce cas il n'y a pas de mal à la sacrifier et cela sera considéré comme une ordia et le cher de bien citer à condition que cette bête ne se soit pas sauvée suite à une erreur de son propriétaire ou bien lorsque tu lègues quelqu'un ou lorsque tu mandates quelqu'un pour sacrifier une bête pour toi et que cette personne oublie totalement de sacrifier cette bête. Alors, il n'y a pas de mal à la sacrifier même après le temps qui a été alloué. Et le cher dit ceci euh, en analogie avec celui qui dort pendant l'heure d'une prière ou qui oublie cette prière, il se doit alors de l'accomplir au moment où il se réveille ou au moment où il s'en rappelle. Et il est autorisé de sacrifier la bête pendant tout ce laps de temps, que ce soit la nuit comme le jour. Et de sacrifier le jour est meilleur. Et le mieux est le jour de l'Aïd après la prière, après les deux khutbahs. Le jour de l'Aïd après les deux chotobas, car les deux chotobas viennent après la prière. Et chaque jour est meilleur que le suivant. Chaque jour est meilleur que le suivant. C'est-à-dire de sacrifier le onzième est meilleur que de sacrifier le douzième, de sacrifier le douzième est meilleur que de sacrifier le treizième jour. Pourquoi Car euh, celui qui a Plutôt la personne aura sacrifié et plus tôt elle se sera empressée à accomplir une adoration qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh ouvre le chapitre de, des catégories des bêtes qui sont les meilleures pour al الأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة البدنة ثم سبع البقرة. Le meilleur, la le, le meilleur type de bête à sacrifier sont tout d'abord le chameau, puis la vache, Lorsqu'ils sont sacrifiés entièrement, une personne qui sacrifie pour lui seul un chameau, c'est ce qu'il y a de meilleur. Puis vient dans le degré de euh, degré préférable de sacrifier une vache ou un bœuf, tout seul. Puis vient le degré suivant de sacrifier l'ovin un ovin, un bélier, une brebis, un agneau, une agnelle, puis la chèvre, puis le septième d'un chameau, puis le septième d'une vache. Ceci concerne le type de bête. Maintenant, lorsque l'on prend une bête, quels sont les caractéristiques qui doivent être réunies ou qui font de cette bête euh, comme étant celle qui a réuni les meilleures caractéristiques. Le Cheikh, Et concernant la caractéristique de cette bête, le mieux est qu'elle soit grasse et

فهو ابيض في سواد. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن فحيل ياكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. انس رضي الله عنه ذكر البروفات صلى الله عليه وسلم سكريفيي دو دبلي كي افي دي كورن اي بلون افيك دي تاش نوار. Et le bélier est sans aucun doute euh, parmi les ovins celui qui est le meilleur, car il est plus grand et euh, la viande est meilleure. Et l'amlah c'est celui qui est blanc avec des taches noires. Et dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa a sacrifié, un bélier avec des cornes, un bélier reproducteur. Il mangeait dans du noir, il regardait dans du noir et il marchait dans du noir. Et les savants ont expliqué, il mangeait dans du noir, c'est-à-dire que le contour de sa bouche était noir. Il regardait dans le noir, les contours de ses yeux étaient noirs, et il marchait dans du noir, c'est-à-dire que le contour de ses pattes

le serviteur du Prophète alayhi wa sallam, a dit que le Prophète, lorsqu'il voulait faire Aludhiya, il achetait deux béliers bien portants, deux béliers gras. Et le hadith est authentifié par Sheikh al Bani Rahimahullah. As Samin Kathiru Shahmi wal lahm. As Samin en arabe, c'est celui, c'est la bête qui a de la graisse et de la viande. Et dans une version de l'imam Ahmed, Et dans la version de l'imam Ahmed, le prophète a sacrifié deux béliers castrés. Deux béliers castrés. Et le bélier castré, est meilleur que le bélier reproducteur au niveau de sa viande. La viande du bélier castré est plus tendre et meilleure que celle de, du bélier reproducteur. Et quant au bélier reproducteur, il est souvent mieux formé et plus beau que le bélier castré. Ceci concerne ce qu'il y a de mieux à sacrifier comme bête, tant, au terme, tant en termes de type de bête que de caractéristiques que doivent euh, ou qu'il est recommandé euh, que ces bêtes ou dont ces bêtes doivent être dotées. Puis le cher cite les caractéristiques dont il est détestable qu'il est détestable que la bête ait. On a vu tout à l'heure les défauts qui font que lorsqu'ils sont présents, cette bête ne peut être sacrifiée et ne peut être considérée comme une udhiya. Et le cher va citer maintenant les défauts dont il est mieux de s'éloigner et ceux qui, lorsqu'elles sont dans une bête, eh bien, il est détestable et non pas interdit de... La sacrifier comme une audria Le premier type de défaut cité par le Sheikh, Rahimahullah, Al-Adba. Al-Adba, c'est celle dont la queue ou la corne a été coupée de plus que la moitié. al bala. Deuxième type de bête avec des défauts qui sont détestables, al Bala c'est celle qui a l'oreille fondue sur la largeur et ceci au niveau de l'avant de l'oreille. Al-Mudabara, c'est celle qui a l'oreille fondue en largeur au niveau de l'arrière de l'oreille. Al-Sharqa, c'est celle qui a l'oreille fondue en longueur. Et Al-Kharqa, c'est celle qui a l'oreille trouée ou perforée. La sixième, Al-Musfara, c'est celle dont l'oreille est coupée et qui laisse apparaître le tympan. Et il a été dit également que Al-Musfara, c'est la bête maigre, mais euh, qui a tout de même de la moelle dans les eaux, car on a vu que euh, la bête maigre qui est maigre et faible à tel point qu'il n'y a plus de moelle dans ses eaux, que cela fait partie des défauts qui excluent cette bête de, de la, du sacrifice pour Al-Eid on dit bien pour Al-Eid car si tu égorges cette bête pour autre que pour al si tu l'égorges pour autre que pour al ou pour al Hadi, eh bien cela est autorisé bien sûr. Le septième défaut détestable dans une bête, al Salah, c'est celle qui n'a plus de cornes. Le huitième défaut qui est détestable, al-barqa, c'est celle dont l'œil ne voit plus mais reste intact. Elle ne voit plus mais l'œil est, est intact. Est-ce qu'elle est considérée comme une borgne Oui ou non Oui. Elle est borgne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa a dit La borne dont le fait qu'elle soit borne est, est évident. Cela est évident. C'est-à-dire, ça se voit clairement. Et on l'a vu, les détails qu'a donné le chir, soit parce que son œil est obscur, ou soit parce qu'il ressort ressemblant à un bouton, ou soit parce qu'il est blanc entièrement. Mais si son œil est intact, mais qu'elle ne voit pas avec celui-ci, elle est effectivement borne, mais sa bornité, si on peut dire comme ça, n'est pas évidente. Al-Mushayya, ah. c'est celle qui ne peut suivre le reste du troupeau, qui peut suivre le, le reste du troupeau, mais, euh, mais se met toujours derrière. Elle ne peut pas le, le suivre le reste du troupeau à la même allure. Que le troupeau, mais elle reste derrière. Celle-ci également, il est euh, déconseillé de l'utiliser comme une entrière. Et le Cher dit qu'il y a d'autres choses qui sont, euh, qui peuvent être ajoutées à cela. Parmi les caractéristiques détestables. Qui sont présentes dans une bête. Il dit, Rahimahullah, Al-Batra, minal C'est celle dont la moitié de la queue a été coupée, voire plus, parmi euh, le chameau, la vache et. Euh, et et la chèvre. Pourquoi? Car les savants disent que la queue pour le chameau, la vache et la chèvre n'est pas euh, un élément essentiel. N'est pas un élément essentiel. Pour cela, qu'ils cite ensuite al Yiatihi et concernant a qui concerne dans la majorité du cas, si ce n'est tout le temps, les ovins. Les ovins, donc les moutons, les béliers, etc., certains ont une queue, d'autres n'ont pas de queue. Mais ils ont, euh, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça Une excroissance de graisse. Et les savants disent que cette excroissance de graisse euh, qui se trouve sur le derrière de, euh, de, de, de l'ovin a un bénéfice. Et lorsque la moitié, si plus de la moitié est coupée de ce type d'excroissance, eh bien, selon la majorité des savants, cette bête n'est pas considérée comme une autre. Et si la, mo la moitié et moins a été coupée, ou la si la mo moins de la moitié a été coupée, alors euh, cela reste détestable, mais non interdit pour une outrir. Également fait partie des caractéristiques détestables la bête dont les dents ou dont certaines dents sont tombées. Et si cette bête n'a pas de dents dès la naissance, cela n'est pas, euh, pas détestable. Également, il dit, ma min la bête dont le bout des mamelons ont été coupés. Également, il est détestable de la prendre comme une odhia, sauf si elle a été créée comme ça, sauf si cette bête a été aînée. Euh, avec ce défaut. Ceci concerne les caractéristiques détestables que Sheikh Mohammed Ibn Salih al uthaymin a citées. Puis le Sheikh d'ouvrir le chapitre Pour qui vaut Al-Oudhia al, -udhiyah? al -udhiyah, parmi al ranam et on a dit que le c'est... لزوفاني إليكابخا فالبوهان الأبخي لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضحي به فقال لها يا عائشة يا عائشة هلم المدية أي أعطني السكين ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه أي أخذ يستعد لذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به رواه مسلم La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné qu'on lui apporte un bélier avec des cornes qui marche sur du noir, s'assied sur du noir et regarde dans du noir. Et euh, on a apporté ce bélier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il le sacrifie. Et il a dit à Aïcha radiallahu Aïcha, donne-moi le couteau. Elle s'est exécutée, le prophète alayhi wasallam, a pris le couteau, il a pris le bélier, il l'a couché, puis le prophète, lorsqu'il s'apprêtait à l'égorger, a dit par, par le nom d'Allah, Bismillah, ô oh Allah, accepte de Muhammad, de la famille de Muhammad. ومجموعة محمد ثم النبي صلى الله عليه وسلم سقف هذا البلية الحديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون وفي الحديث أبو أيوب الأنصاري il dit qu'un homme, que les, que l'homme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sacrifiait une brebis pour lui et pour la famille an ahli baytihi. La famille résidant dans son foyer Il mangeait de cette viande et donnait à manger. Donc, celui qui sacrifie un ovin ou un caprin, cela lui suffit pour lui et pour sa famille, et tous ceux pour qui euh, tous ceux pour qui il a eu l'intention parmi les membres de sa famille, qu'il soit vivant ou mort. S'il n'a rien eu d'intention, s'il n'a pas eu d'intention particulière, alors cette intention alors entre dans les gens de sa famille. Euh, tout ce que peut englober ce terme que ce soit à travers ce qui est connu chez les gens ou que ce soit à travers la langue arabe et dans ce qui est connu chez les gens ce sont toutes les personnes qui sont sous sa responsabilité, sous sa responsabilité comme épouse, enfants et proches et en arabe ahlul Bayt, ce sont tous les proches parmi sa descendance, la descendance de son père, la descendance de son grand-père et la descendance de son arrière-grand-père. Le septième d'un chameau ou d'une vache valent pour ou sont équivalents à un ranem, à un ovin ou un caprin. Si un homme sacrifie, participe au sacrifice d'un septième de chameau ou de vache, cela lui suffira pour lui et pour les membres de sa famille. Car le prophète alayhi wa sallam, a considéré que le septième d'un chameau ou d'une vache a la même valeur qu'une brebis. Et ceci dans le hadith. Et le hadith, c'est la bête qui est sacrifiée pour le. par qui Par le pèlerin. Qu'il soit. Qu'il soit. Non, il est Le pèlerin qui, qui, qui sont. Euh, en quel type de rite Al-Mutamati' wa wal-qarin. Al-Mutamati' wa wal-qarin, car al-Mufrid, lui, ne. Ne sacrifie pas de bêtes. Et le cher dit, et cela est donc similaire et équivalent à, pour Al Udhiyah, car il n'y a pas de différence entre Al udhiyah le sacrifice de l'Aïd, et Al Hadi, le sacrifice du pèlerin, dans ce point. Donc un ovin ou un caprin ne suffit pas pour deux personnes ou plus qui l'achèteraient et qui sacrifieraient cette bête. Car cela n'a pas été rapporté ni dans le livre d'Allah ni dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que de se rassembler à huit pour sacrifier un chameau ou une vache, cela n'est pas valable, car ces adorations sont bien précises, et il est interdit de les outrepasser, que ce soit en termes qualitatifs euh, qu'en termes quantitatifs. Puis le cher parle du sujet à savoir ce que l'on mange de notre odrheya et ce que l'on distribue. Il est légiféré pour celui qui a sacrifié sa odrheya de manger de sa odhiyah, de d'en donner et de donner en aumône. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fa kulou minha wa ba mangez en vous-même, et faites-en manger le besogneux misérable et dans le hadith de Salam ibn al-Akwa le professeur, salam, dit, Kulu wa wa al -Bukhari. il dit salam, Mangez et nourrissez et conservez et la parole du professeur salam, inclut donc nourrissez, inclut, le, cela peut être un cadeau que tu fais à un riche ou une aumône que tu fais à un pauvre. Et les savants ont divergé sur la quantité que l'on doit manger, que l'on doit offrir et que l'on doit donner en aumône. Et le cher dit ⁇ Al-Amru, fi Et dans cela, euh, la porte est large et ce qui est choisi ou la vie choisie est de manger le tiers d'offrir le tiers et de donner en aumône le tiers et ce qui est autorisé de manger il est autorisé de le conserver à condition bien sûr que euh, la conservation longue ne porte pas atteinte à cette viande et la rend plus tard euh, non propre à la consommation exception faite sauf si le pays est touché par une famine dans ce cas il est interdit de garder et de conserver cette viande plus de trois jours la preuve est le hadith de an, le professeur salam a dit, Man dhaha minkum فلا يصبحن بعد ثالثه وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان في الناس جهد فاردت ان تعينوا فيها متفق عليه Dans le hadith authentique rapporté par Al Bukhari Muslim, le hadith de salam ibn al anh, le Prophète a dit celui d'entre vous, que celui d'entre vous qui sacrifie, c'est-à-dire pour l'Aid, qu'il ne reste pas qu'il ne passe pas trois matins sans qu'il n'y ait des restes de cette udhiyya. Et l'année suivante, ils ont dit On oh, voyez d'Allah devons-nous faire cette année comme nous avons fait l'année dernière et le prophète wa a dit mangez de nourrissez et conservez car cette année-là les gens étaient touchés par une famine et j'ai voulu que vous aidiez à travers cela rapporté par al-bukhari et muslim Et il, il n'y a aucune différence dans l'autorisation de manger d'offrir la viande que la bête que tu sacrifies soit une bête obligatoire ou qu'elle soit une bête surérogatoire que tu le fasses pour un pot, pour un vivant ou pour un mort même si tu le fais en application d'un testament si dans le testament d'une un, personne qui est décédée. Il a écrit dans son testament qu'un tel prend de mon argent et sacrifie une bête. Eh bien, les savants disent que celui qui à qui on a demandé de mettre en application ce euh, ce testament a la même place que celui qui l'a testé celui qui a fait le testament. Il lui est donc autorisé à lui de manger, d'offrir de, et de donner en aumône de cette bête. Quant à celui qui est mandaté, al-wakil, si celui qui te mandate t'autorise de manger, d'offrir et de donner en aumône, alors cela est autorisé. Sinon, tu te dois de restituer cette bête à celui qui t'a mandaté. Et il est interdit de vendre quoi que ce soit de l'audria, ni la viande, ni toute autre partie de cette bête, même la peau. Et celui à qui on a offert une partie de cette viande, celui à qui on a offert une partie d'une audria, lui, il lui est autorisé de faire ce qu'il veut de cette viande que l'on lui a offert et le cher de dire à condition qu'il ne vende pas cette viande à celui qui lui a offert. Que doit faire, quelles sont les choses dont doit s'abstenir celui qui sacrifie à l'Odhriah? Lorsque l'un Lorsqu'une personne veut sacrifier à l'Odriya et qu'entre le mois de Doul-Hijja soit par la vision du premier croissant de lune, ou soit lorsque le mois de Qiada a complété les 30 jours, alors il est interdit à une personne qui souhaite sacrifier à l'Odriya de prendre quelconque cheveu de son corps. De couper quelconque ongle ou d'arracher quelconque peau, et ceci jusqu'à ce qu'il sacrifie sa bête. Et pour information, le premier jour de Dhul Hijjah est demain. Nous sommes déjà dans la première nuit euh, du mois sacré de Dhul Hijjah, euh, comme cela a été annoncé par euh, la Cour suprême d'Arabie saoudite. Donc, euh, le dimanche. 6 octobre 2013, et inshallah ta'ala, le premier jour du mois de Dhul Hijjah, et ce samedi soir est la première nuit de Dhul Hijjah. La preuve est le hadith du Prophète Sallallahu Le hadith de Umm Salama, rapporté par l'imam Muslim dans son sahih إذا رايتم Hilaladil Hijjah, وفي إذا ashr Lorsque vous voyez le croissant de lune de Dhul Hijjah et dans une version, lorsqu'entre les dix, c'est-à-dire les dix premiers jours de Dhul Hijjah, et que l'un d'entre vous veut sacrifier alors qu'il s'abstienne de couper quelconque poil ou oncle. Et dans une version,

les poils de la moustache, que ce soit les cheveux, que ce soit la barbe. Bien sûr, la barbe, vous connaissez tous le jugement de euh, raser la barbe, ceci est interdit. Et de tailler la barbe, ceci est également interdit, sauf si la personne taille sa barbe euh, au-dessus ou euh, les poils qui dépassent d'une poignée, al-qabda. Quelle est la preuve de la peau qu'il est interdit d'arracher également de la peau. Et une des versions du hadith, Et et qu'il ne coupe de ses poils ou de sa peau quoi, rien du tout. Et Al-Bashara, euh, les savants disent, euh, والجل, Et celui qui a l'intention de sacrifier Durant les dix premiers jours, c'est-à-dire que euh, il n'a eu la volonté de sacrifier une, une autre rien que, par exemple, le cinquième jour de de Eh bien, il doit s'abstenir de faire ces interdits à partir du moment où il a eu cette intention, et ce qu'il a pu faire auparavant ne lui sera, ne lui sera pas pris en compte. Et la sagesse de cette interdiction est que celui qui fait al-udhhiyah, parce qu'il a participé quelque part à ce que fait en partie le pèlerin parmi les actes du pèlerinage, il y a le fait de sacrifier al-hadi. Et celui qui fait al-udhhiyah participe quelque part à un des rites que fait le pèlerin, à savoir sacrifier une bête, et donc et, il, euh, il participe également avec lui dans certaines interdictions, dans certaines particularités de l'état de l'ihram, euh, et ces quelques particularités sont le fait que le pèlerin en état de sacralisation n'a pas le droit lui aussi d'arracher des poils de son corps, ni de couper ses ongles, et bien d'autres interdictions qui sont effectives pour le pèlerin en état de sacralisation. Et ce jugement, c'est-à-dire l'interdiction de couper des poils du corps, les ongles, ou d'arracher de la peau, ceci est un jugement qui concerne celui qui sacrifie, et non celui pour qui l'on sacrifie. Et ici, lorsque l'on dit celui pour qui l'on sacrifie, c'est-à-dire les membres de la famille de celui qui sacrifie. Car on a dit que la bête sacrifiée vaut pour l'homme qui sacrifie, mais pour les membres de sa famille. Et cette interdiction ou ces interdictions concernent celui qui sacrifie. Que tu sacrifies toi-même ou que tu fasses sacrifier par quelqu'un d'autre. Au final, c'est toi qui, qui a fait la audria même si tu ne l'as pas égorgée, mais c'est toi qui as acheté cette odhriya. Cette odhriya t'appartient, d'accord Donc, tu es considéré comme avoir fait le sacrifice. Ainsi, que tu égorges toi-même ou que quelqu'un d'autre égorge pour toi, il t'est interdit pendant. Euh, les dix premiers jours de dul jusqu'à ce que tu jusqu'à ce que la bête soit sacrifiée de, de faire les interdits précédemment cités. Et le cher dit, celui qui a l'intention de faire à l'autre et coupe une partie de ses poils, de ses ongles ou de sa peau, il doit faire le repentir à Allah. Et il ne doit plus recommencer. Et il n'y a pas d'expiation à faire. Et cela ne l'empêche pas de faire sa comme le pense la masse des musulmans. Et si il fait un de ces interdits par oubli ou par ignorance, ou si un poil tombe sans que cela n'était volontaire, il n'y a point de mal à cela. Et si euh, il a besoin de couper un poil ou de couper un ongle cassé, par exemple, qui lui fait mal et qui le dérange, eh bien, il n'y a pas de mal à cela. Puis le cher cite les règles qui régissent l'égorgement. Donc là, le cheikh a terminé de parler sur Aloudria et il parle maintenant de l'égorgement. Et ici, l'égorgement, c'est l'égorgement de façon... De façon générale. Et l'égorgement en arabe est appelé Azaka. Azaka. Ah. Az Azaka, ah. az ah, le Cheikh a défini en disant Firouma, yahilou bihil haïouan, aladila yahillu illa biha, min nahrin, au ou au al Azaka, ah, c'est ce qui rend licite un animal. Qui ne peut être licite qu'à travers cela. Soit par un nahr, ou bien un ou bien al jarh. Un nahr, c'est le fait de. Euh, on va expliquer les différences entre un zabh et un nahr. c'est l'égorgement. Un nahr, c'est un égorgement, mais particulier. Et جرح, le jour, fait de blesser. فالنحر للإبل والذبح لغيرها والجرح لما لا يقدر عليه إلا به النحر concerne le chameau الذبح l'égorgement concerne autre que le chameau et الجرح la blessure concerne celui La bête qu'on ne peut tuer qu'en blessant. La bête qu'on ne peut tuer qu'en blessant. Et la différence entre azeb et Al Nahar, il y en a plusieurs. Et cela, je les cite moi. Et le cheikh rahimahullah, ne les a pas cités dans ce, ce livre-là, même s'il les a cités dans, dans bien d'autres endroits. Premièrement, Parmi les différences entre un et un nahr, c'est que, comme l'a dit le cheikh, le zeb concerne les vaches et al-ranem, les vaches, les ovins et les caprins, et les autres animaux, comme il le dit le chien en dehors du chameau. Deuxièmement, le nahr a lieu dans le bas du cou, juste après la poitrine. Quand vous voyez ceux qui tuent les chameaux, les musulmans qui tuent les chameaux, ils plantent le couteau dans le bas du cou, et le cou du chameau est extrêmement long. Et l'on coupe la partie inférieure du cou, celle qui est juste après la poitrine. Quant à Zeb, quant à l'égorgement, il a lieu dans la partie supérieure du cou, juste après la tête. C'est l'une des différences entre un et un nahr. Un concernant le chameau, le chameau est debout et l'on attache sa main gauche. Et la main gauche du chameau, c'est la patte avant gauche. Elle est attachée, c'est à dire qu'elle se plie comme cela et on l'attache. Ainsi le chameau reste debout sur trois pattes uniquement. Puis le nahr est fait. Quant au zebh, on couche la bête sur le côté gauche. Et l'on verra euh, que le cheikh dit que la Sunnah c'est de coucher euh, la bête sur le côté gauche de mettre son pied sur son cou et de l'égorger, sauf pour celui qui est gaucher. En ce cas, il couche la bête sur son côté droit, car c'est euh, la meilleure position pour que le sacrifice se fasse dans les meilleures conditions. Et il y a d'autres euh, différences, mais celles-ci sont les plus, les plus connues. Et le cher cite neuf conditions pour que, le sacrifice, et zakah soit valide. La première de ces conditions, que celui qui tue doit être doué de raison. Il est interdit ou le, le sacrifice d'un majnoun, de celui qui, est, qui a perdu sa raison, ou de celui qui est en état d'ébriété, ou du petit qui n'a pas encore sa raison, ou du grand, ou de, de la personne âgée qui ne sait plus distinguer, eh bien, leur sacrifice n'est pas autorisé. La deuxième condition, que celui qui sacrifie doit être un musulman ou alors il doit faire partie des gens du livre. Et les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. Quant au musulman, il est autorisé, de, il lui est autorisé de sacrifier que ce soit un homme ou que ce soit une femme, qu'il soit juste ou qu'il soit pervers qu'il soit en état de pureté ou en état d'impureté. Quant à, au Kitabi, c'est-à-dire aux juifs ou aux chrétiens, la bête qu'il sacrifie, qu'il égorge, est licite que ses parents soient fassent partie des gens du livre ou non. Et les musulmans sont unanimes sur le fait qu'il est licite de manger la bête, la viande de la bête égorgée par un kitabi par un juif ou un chrétien car Allah Azzawajal a dit et la nourriture de ceux des gens du livre est licite pour vous et parce que le prophète alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le Bukhari muslim, le prophète alayhi wa sallam, a mangé d'une brebis qui lui a été offerte par une femme juive. Quant au reste des non-musulmans qui ne font pas partie des gens du livre, il est interdit de manger ce qu'ils sacrifient. Car Allah a dit, « Et la nourriture des gens du livre. » L'imam Ahmad a dit, « Et je ne connais personne qui dit le contraire de cela. » si ce n'est une personne de l'innovation. Et le cher dit, et il n'est pas obligé de demander de demander sur ce qui a été sacrifié par un musulman ou par une personne des gens du livre, comment il a égorgé. Et est-ce qu'il a prononcé le nom d'Allah ou non Il dit, il dit, il dit, plus encore, cela euh, n'est pas convenable de poser cette question. Car cela fait partie de l'exagération dans la religion. Et le prophète sallallahu a mangé de ce qu'ont égorgé les Juifs et ne leur a pas demandé. وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم لا نذري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا عليه أنتم سموا عليه أنتم وكلوه قالت وكنا حديث عهد بكفر فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم باكله دون ان يسالوا مع ان الاتين به قد تخفى عليهم احكام الاسلام لكونهم حديث عهد بكفر. الجوسي رحمه الله اذا لصحيح البخاري يوتر سنو عائشه رضي الله عنها كان بوبل ونجي وننفى الله. Il y a un peuple qui nous de la viande. dont nous ne savons pas si le nom d'Allah a été prononcé ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Prononcez-vous le nom d'Allah et mangez. » Elle a dit « Aïcha » et ils faisaient partie et il n'y a pas si longtemps qu'ils étaient dans la mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de manger sans poser de questions, sachant que ceux qui étaient venus à lui sallallahu alayhi wa sallam euh, était converti récemment donc il était fort probable qu'il ne connaissait pas un certain nombre de jugements islamiques. à chant est la troisième condition que le sacrifice soit voulu car le sacrifice nécessite une intention. Et celui qui n'a pas l'intention de tuer cette bête, avec l'intention de la tuer d'une façon légiférée qui la rendra licite, alors euh, celle-ci n'est pas licite pour lui. Et le cher donne un exemple. Comme celui qui est attaqué par une bête, et l'égorge pour se défendre uniquement. Il égorge cette bête, mais il ne l'égorge pas pour, rend, pour la rendre licite et la manger. Il l'égorge pour, pour se défendre. La quatrième condition que le sacrifice ne doit pas être fait pour autre qu'Allah. Car s'il est fait pour autre qu'Allah, cette bête est illicite, comme celui qui sacrifie une bête euh, en guise de reconnaissance envers une statue, ou pour donner de l'importance à un défunt euh, dans sa tombe, ou celui qui sacrifie une bête pour montrer l'importance d'un roi ou autre. La cinquième condition, Allah yusammi alayha ismu Il ne doit pas prononcer un nom autre que le nom d'Allah. Comme celui qui dit par le nom du prophète, ou par le nom de Jibril, ou par le nom de telle ou telle chose autre qu'Allah. S'il fait cela, eh bien, cette bête est illicite. إ الشيخ دي رحمه الله وإن ذكر اسم الله معاه، مام سي إلسيت لونون دالله هذاك، مام سي إلدي باغ لونوندو بروفيت إدالله، باغ لونون، باغ أن تال إلى الله، إي بيان سيت فيوند إلليسيت. الشرط السادس أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها بسم الله. La sixième condition est qu'il doit prononcer le nom d'Allah au moment où il la sacrifie. En disant Bismillah, Et la, 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 la preuve est la parole d'Allah dans Surah le verset 118. Et manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé si... Vous êtes véritablement croyant en ces signes. Et la preuve également est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui effuse le sang et sur lequel le nom d'Allah a été cité à leur manger. Le hadith est authentique, importé par Al-Bukhari dans son sahih. Et le cheikh fait une remarque extrêmement importante en disant, et il n'y a pas de différence entre celui qui délaisse le fait de prononcer le nom d'Allah de façon volontaire ou par oubli ou par ignorance. Car le verset est général. Allah azawajal dit dans Surat le verset 121 et ne mangez pas ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été cité. Donc, lorsque l'on sacrifie une bête et que l'on ne dit pas Bismillah, que tu ne, dis, que tu ne le dises pas volontairement, ou que tu ne le dises pas par oubli, ou que tu ne le dises pas par ignorance, dans tous les cas, cette viande est illicite. Et le Sheikh, Rahimahullah, dit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de cette tasmiyah, de dire bismillah, une condition pour la lycéité de cette viande. Et la condition ne peut être exempte par un oubli ou par une ignorance. Et il donne un cas similaire, rahimahullah, en disant, si cette personne tuait cette bête sans effuser le sang, par oubli ou par ignorance, est-ce qu'elle serait licite pour lui ou pas Une personne qui tue une bête sans que le sang n'effuse, il la tue avec une pierre par exemple, en ne sachant pas que de tuer une bête avec une pierre rend cette bête illicite. Est-ce que le fait... Qu'il ne le savait pas, ou le fait qu'il ait est oublié, est-ce que cela rend cette bête licite C'est la même chose pour la tasmiyah. À partir du moment où c'est une condition, cette condition ne peut être levée par un oubli ou par une ignorance. Et le professeur Prophète a cité deux conditions dans le hadith Ce qui. Euh, la bête dont le sang a effusé et sur lequel vous avez prononcé le nom d'Allah, alors mangez. Il y a donc deux conditions qu'a citées le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si une règle est valable pour une des conditions, elle est valable aussi pour, pour la seconde. Et si celui qui égorge et sacrifie est muet, il ne peut pas prononcer donc la tasmiyah, le sherdi, il lui suffit de faire un signe qui montre la tasmiyah. Car Allah a dit Et craignez Allah comme vous le pouvez. La septième condition est que le sacrifice doit être fait avec un objet tranchant qui effuse le sang. Que cet objet tranchant soit de fer, de pierre, ou de verre, ou autre.

sur lequel le nom d'Allah a été prononcé, alors mangez. Tant que ce n'est pas une dent ou un ongle, tant que ce n'est pas une dent ou un ongle, c'est-à-dire avec quoi vous avez sacrifié. Et le professeur Assem de dire, et je vais vous parler de cela. Quant aux dents, ce sont des os et quant aux ongles ce sont les couteaux de l'abyssinie les abyssins à l'époque du professeur Hassellem, tuaient les bêtes avec leurs ongles et les abyssins étaient à l'époque du professeur des des chrétiens et les savants ont donné deux explications à ce hadith soit ce qui est voulu c'est que Al-Habasha étaient des chrétiens, or il est interdit aux musulmans de ressembler aux, aux non-musulmans. Et la deuxième explication des savants est que le fait de sacrifier avec des ongles est préjudiciable pour la bête. Et souvent la bête meurt d'étouffement et ne meurt pas d'égorgement. Car les ongles, même s'ils sont tranchants, ne sont pas tranchants comme, comme un, un couteau ou tout autre objet utilisé à cet effet. Puis le cher site, la preuve qu'il est autorisé de sacrifier avec un objet tranchant euh, issu de pierre. La preuve est le hadith rapporté par al-Bukhari muslim, « Najari atteint les Ka'b ibn Malik, qu'une servante de Ka'b ibn Malik, elle euh, guettait un troupeau de ranam, donc le ranam c'est les ovins et les caprins, et celle c'est une montagne connue à Médine. Elle a vu une brebis parmi le ranam qui mourait. Elle a alors cassé kassarat Hajaran. Elle a alors cassé une pierre et elle a égorgé cette brebis avec cette pierre brisée. Et ils ont cité cela au prophète qui leur a ordonné de manger cette brebis. Et si la bête est tuée par autre qu'un objet tranchant? elle est illicite, comme le fait de l'étrangler ou comme le fait de l'électrocuter ou autre jusqu'à ce qu'elle meure. Et si il fait cela, c'est-à-dire s'il l'égorge, s'il il, il l'étrangle ou s'il si, euh, lui fait un Autre mal, euh, comme le chiracité, a cité l'électricité ou autre, et qu'il l'égorge comme il se doit, alors que cette bête est toujours vivante, alors cela est, elle, cette bête devient alors licite. Et le Cher donne deux signes pour connaître euh, et pour déterminer qu'une bête est toujours vivante Walil <musique enéth adelante> Le premier signe est que la bête bouge. Tant qu'elle bouge, elle est vivante. Deuxièmement, que le sang rouge circule rapidement dans ses veines. Ceci est également une preuve que cette bête est toujours vivante. On a dit qu'il y avait combien de conditions Neuf. La huitième condition l'effusion du sang c'est à dire le fait que le sang coule par l'égorgement car le prophète a dit ce qui la bête dont le sang effuse et sur lequel le nom d'Allah a été prononcé à leur manger puis le Cher dit si la bête on ne peut pas la maîtriser, comme la bête fugitive qui se sauve, ou comme celle qui est tombée dans un puits, ou autre. Alors il suffit de faire couler son sang, quel que soit l'endroit dans lequel son corps sera touché. Et le mieux, bien sûr, et le mieux, bien sûr, et de choisir l'endroit dans lequel tu vas blesser cette bête que tu ne peux égorger de façon normale, comme le chir l'a cité en donnant quelques exemples, et bien de choisir l'endroit de son corps qui fera écouler le plus de sang et donc tuera cette bête de la façon la plus souple. Car cela, est meilleur pour la bête et cela la châtier le moins possible. Et si l'animal est maîtrisable, alors il est obligatoire que de faire effuser son sang de son cou en sectionnant les deux veines jugulaires. al en arabe. Et le cher dit, ce sont deux veines, deux grosses veines qui longent l'osophage. Et le mieux dans le sacrifice, donc le minimum que dit le cher, c'est de couper les deux veines jugulaires. Et le mieux est de couper avec ces deux veines jugulaires la trachée. La trachée qui est la voie à travers laquelle passe l'air et le mari qui est l'œsophage donc fois les, les deux veines jugulaires longent la trachée et non l'œsophage les deux veines jugulaires longent la trachée la trachée et non l'œsophage donc la trachée le mieux est de sectionner les deux veines jugulaires de sectionner avec les deux veines jugulaires la trachée et de sectionner avec en plus L'œsophage qui est euh, l'endroit par lequel passent la nourriture et les boissons. Ceci afin que euh, le sang euh, s'effuse de façon euh, uniforme et de façon rapide. Et le Cheikh dit Et s'il se contente de sectionner les deux veines jugulaires eh bien, la viande ou la bête devient licite. La neuvième condition. Neuvièmement, neuvième condition est que la bête que l'on sacrifie, qu'il soit autorisé de la sacrifier, Juridiquement en islam. Et les bêtes qui ne sont pas autorisées sont de deux sortes. La première, celles qui sont interdites par le droit d'Allah. haram wal-Ihram. Comme les bêtes qui vivent dans la terre sacrée. Il est interdit de les tuer. De chasser haram de chasser, de chasser les, les animaux dans la terre sacrée et de sacrifier en état d'Ihram. De, de chasser en état d'Ihram ou de chasser dans la terre sacrée. Même s'il le sacrifie, car dans la chasse, il n'est pas obligatoire de de sacrifier la bête que tu chasses. Si tu chasses euh, avec un fusil, par exemple, ou si tu chasses avec euh, des flèches ou autres, si la bête meurt de cela, euh, tant que tu chasses et que tu as prononcé le nom d'Allah, cela est illicite. Et maintenant, euh, la deuxième chose, les deuxièmes bêtes qui est interdit, euh, c'est celles qui sont en rapport avec le droit des créatures. Comme les bêtes... Usurpées, celles qui sont volées. Ainsi, celui qui égorge une bête volée ou une bête usurpée, eh bien, il y a euh, dans la lycéité de cette bête deux avis des savants que le cher a cité dans euh, le, le livre initial. Puis le cher parle des comportements à avoir au moment où on sacrifie la bête. Et ces comportements ne remettent pas en cause la licéité de la bête. Mais il est recommandé de les faire. « Awalan al qibla » De se mettre en direction de la qibla au moment où l'on sacrifie. Deuxièmement, de sacrifier convenablement en utilisant des euh, objets tranchants aiguisés. Et l'égorgement doit être fait avec force et rapidité. Et il a été dit que cela est même une obligation. Et c'est l'avis que le cher considère, que cela est obligatoire. Car le professeur sallam a dit qu'Allah a prescrit la bienfaisance dans toutes choses. Lorsque vous tuez, tuez bien. Et lorsque vous égorgez, égorgez convenablement. Et que l'un d'entre vous aiguise son couteau. Et qu'il tranquillise sa bête. Donc le chien considère que cela est une obligation. Troisièmement, parmi les comportements à voir, que le chameau, l'on pratique sur lui un nahr, et on a expliqué ce qu'était un nahr tout à l'heure. En dehors du chameau, c'est un Le chameau, lorsqu'on fait le nahr, doit être debout, les. La, la, la main gauche attachée et si cela est difficile alors il peut la tuer lorsqu'elle est assise le reste ou en dehors du chameau eh bien il est recommandé d'allonger la bête sur son côté gauche sauf si le sacrificateur est gaucher dans ce cas il place ou il allonge la bête sur son côté droit et le Cheikh dit Et il fait partie de la Sunna de poser son pied sur son cou afin de le stabiliser. Quant au fait de monter dessus et de tenir la bête par ses pattes, il n'y a aucune source de cela dans la Sunna. Et les savants ont cité que parmi les bénéfices de laisser les pattes de la bête libres et que cela facilite l'effusion du sang. Quatrièmement, ce qui est recommandé de faire, c'est de sectionner la trachée et l'œsophage en plus des deux euh, veines jugulaires qui elles font partie des des conditions. Cinquièmement, le comportement à voir. Et de cacher le couteau lorsque l'on l'aiguise, afin que la bête ne le voit pas. Sixièmement, de faire le takbir après la tasmiyah. On a vu que la tasmiyah était une condition. Et le takbir est une sunnah recommandée après, le, après la tasmiyah. De dire Bismillah wa Allahu Akbar. Septièmement, ce qui est recommandé de faire pour celui qui sacrifie, lorsqu'il sacrifie une autre ou une aqiqa, de citer le nom de celui pour qui il sacrifie. Après avoir cité le nom d'Allah et le takbir, il demande à Allah que cela soit accepté, en citant son nom. Il donne le shirk un exemple en disant Fayakoul, Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma, Minka, Walak, allah cela provient de toi et cela est, est pour toi. Car la bête, elle provient d'Allah. C'est un risque, une pourvoyance qu'Allah t'a accordée. Et tu la sacrifies pour, pour Allah. Et le dit Wa in kunta. Donc, si elle est pour toi, tu dis Allahumma min anni. Et si tu dis pour quelqu'un, par exemple, tu dis Bismillah, wallahu akbar, Allahumma min an fulan, An Et tu nommes la personne qui t'a mandaté ou pour qui tu, tu sacrifies. Les choses détestables, et on terminera par cela, inshallah, les choses détestables, au moment du sacrifice. Que le sacrifice soit fait par un objet qui n'est pas bien aiguisé. Et il a été dit même que cela est interdit et c'est l'authentique. C'est l'avis de Sheikh al que de sacrifier avec un objet qui n'est pas bien aiguisé est interdit. Déguiser le couteau devant la bête, cela est déconseillé. De sacrifier une bête alors que l'autre regarde de sacrifier une bête devant une autre bête. Cela également est détestable. De faire, après avoir sacrifié la bête, de faire ce qui pourrait euh, la châtier avant que son âme ne quitte son corps, comme le fait de casser son cou ou de la dépecer, d'enlever sa peau ou de couper des membres de cette bête avant qu'elle que, que, son âme ne quitte son corps. Et il a été dit même que cela est interdit, wa huwa Et certains savants ont même dit que cela est interdit, et c'est l'avis vie que considère Cheikh le uthaymin qu'il est interdit de faire ce qui pourrait châtier la bête tant que elle n'est pas définitivement morte. Et ainsi, euh, se termine le résumé que Sheikh, ta'ala, a fait de son livre, un livre euh, ou un résumé qu'il a écrit, le treizième jour de Dhul Hijjah, de l'année 1400, soit à quelques jours près, combien d'années 34 ans. Donc ça fait 34 ans que Sheikh al-Uthaymin a écrit cette lettre. Et 34 ans après, les musulmans en profitent toujours et sa science. Euh, parcourt l'ensemble de la planète et nous demandons à Allah de lui pardonner ses fautes et de l'élever en degré et de faire que, son, que sa tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis. Ainsi, le musulman se doit de connaître la valeur des savants et d'invoquer Allah Subhanahu wa Ta'ala. ان والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين